Christopher Martinez, quel est votre âge? Ah, il arrive. Quoi? Il est là. Il est vraiment horrible. J'ai déjà regardé, il n'y a rien. Il chasse. Oh, il attaque. Ouh là là. Cache-toi, moi je me cache en bas. Essaye de te cacher dans une pièce ou dans une armoire. Ah, punaise. Ah, température glaciale, je crois. Ah, 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 moi, mon appareil. Je l'ai en photo. Ah, quelle horreur. Oh là là, t'as pas les clés? Salut à tous, c'est le Gazouilleur et on se retrouve sur Phasmophobia en compagnie de Chirois. Salut. Alors, nous avons plusieurs objectifs qui va être de découvrir, comme d'habitude, à quel type de fantôme nous avons affaire. On va devoir atteindre une santé mentale moyenne en dessous de 25%. Et on doit aussi prendre une photo du fantôme et empêcher le fantôme de chasser avec un crucifix. Nous avons affaire à Christopher Martinez qui semble répondre à tout le monde. Donc ça, c'est parfait. Alors, ouais. Ce qu'on a fait, en fait, c'est... parce que j'ai eu pas mal de conseils. On a ramené tout l'équipement, en fait, au niveau de la porte d'entrée, ce qui va nous éviter des allers-retours un petit peu inutiles, quoi. On va gagner un petit peu de temps pour l'enquête, hein. Alors moi j'ai pris le thermomètre et l'appareil photo. Moi j'ai pris le ah bah on a deux thermomètres, du coup je vais peut-être changer. Je peux l'enlever? Oh, ok. Non t'inquiète pas, bah je vais prendre le livre et du coup le MF. Ah. Et on a oublié les clés. Génial. Ah oh, ça commence bien. Oh là là. On a tout prévu quoi, sauf les clés quoi. L'organisation TikTok. Mon Dieu. Ah t'as pris une GoPro. Ouais j'en ai pris une, ouais, je sais pas si c'est vraiment utile. Oh, ça peut être pratique au cas où, on sait jamais. Hein. C'est bon, on peut y aller. Hop. Ça va pas être facile. Hein. Allez, c'est parti dans la petite maison résidentielle. Attends, hop. Alors, je vous avoue que tout à l'heure, j'ai essayé de tourner une vidéo en solo. Ça a duré 5 minutes parce que je suis remonté dans le camion. J'ai annulé tout simplement le tournage. Parce que je me suis tapé une crise de panique. Ah. Et en solo, je peux vraiment pas. Hein. Et j'ai essayé. Hein. C'est pourtant, marrant. Hein. Et pourtant, il s'est rien passé dans la partie, quoi. Ouais, c'est étrange. C'est peut-être psychologique. Hein. Ouais, c'est psychologique. Hein. Parce que c'est vrai que quand on est à deux, on a plus la confiance que quand on est tout seul. Moi, je me sens rassuré. Oui, bah oui. L'effet de groupe, comme on dit. Du coup, moi, j'ai pas le thermomètre. Ça va être compliqué de voir. Ouais. Il fait combien là? Là, t'as l'appareil photo, genre. Ouais, j'ai le thermomètre. Mais c'est bizarre, j'ai pas de température. Ah, si, c'est bon, j'ai eu un petit bug d'affichage. J'ai la température qui s'affichait pas. Ah, ouais, bah, j'espère qu'il est pas dans la cave, quoi. Ça serait un peu horreur, un peu, tu vois, un peu effrayant. Ouais. Ah, ils ont rajouté un bureau là. Merde, du coup, je t'ai refermé la porte. Non, ce bureau là, il était déjà là, non? Ah, ouais? Putain, je m'en souviens plus. Pense, hein. Alors là, niveau température, on est bien pour l'instant. Ça roule. Ouais. J'ai oublié son nom. Je sais même pas comment il s'appelle. Christopher. Ah, ok. Christopher Martinez, non? Ouais, je crois que c'est... Oui, je crois que c'était Martinez. En tout cas, c'est Christopher. Ouais. Et en plus, j'ai enlevé le push total, car en fait, à chaque fois que je parle, en fait, bah, les entités m'entendent. Ah, génial. Pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. Histoire de corser un petit peu plus le jeu. Ouais. Oula, c'est toi? Ouais, ouais, c'est moi. J'ai ouvert la porte. Ah, parce que ça a claqué, genre, d'accord. Non, c'est étonnant. J'ai dû délirer. Il fait bon dans le couloir? Ouais, ouais, 20 degrés. Ah, c'est bizarre. Ouais. Là, on est en difficulté intermédiaire. Là, non, il devrait pas tarder à se manifester. Oui. Ça devrait être facile. Enfin, j'espère. Ouais, ouais, ça dépend sur quel type de fantôme on tombe. Un revenant. Ou un démon. Ah oui, ah non, oh là, oh là là. Christopher, es-tu à l'étage? C'est très calme, hein, pour le moment. Ouais, c'est vraiment calme. J'ai aucune variation de température pour l'instant. Bah moi, je suis bien, l'OMF, il sonne pas. Mais y a pas de sous-sol dans cette maison, hein. Si, il est enfin, en bas, c'est au niveau de la cuisine, viens. Ah ouais? Ouais, ouais. On l'a c'est à côté fait. De la cuisine, tu peux descendre. Non, on l'a pas fait, il me semble. Ah, mais attends, il a allumé l'interrupteur, je crois, non? C'est moi. Ah, okay. Je me disais.
mètres. Ah oui, le sous-sol, c'est vrai, il est là. Mais oui, par contre, il est bien sous le sol, non. Oh, ah, j'ai 10 degrés, là, j'ai eu du 10. Ah. Ah. Et là, t'es combien dans cette pièce-là? Ah bah, je suis remonté à 15. Ah, merde. Ah, on est tombé sur un os. Ah ouais? Oui. Je vais prendre la photo. Vas-y, vas-y. Alors, le... Est-ce qu'on le prend maintenant? Parce que je pense que si on le prend, ça l'énerve, du coup. Ah, bah, apparemment, l'ex m'a dit que ça ne les énervait plus de les prendre, donc je vais lui faire confiance. Ah, d'accord. Bah, écoute, c'est tant mieux. Il y a eu pas mal de changements sur le jeu, donc... Oui, bah oui. Du coup, c'est pas là-dedans, alors. Bah, je suis à 13, 16 degrés, mais après, je pense pas que ah, ce ouais. soit dans le sous-sol, parce que bon, le sous-sol, c'est forcément un peu c'est plus... C'est peut-être dans les pièces à l'entrée, alors. Au niveau du garage et tout, alors, on a peut-être mal... Mais là, tout à l'heure, dans l'escalier, tu vois, j'ai eu du 13 degrés, c'est descendu à 13. Peut-être qu'il est... Ouais, peut-être qu'il est passé par là, ou tu vois, il est en train de remonter. Ouais, mais il est ouvert... C'est toi qui as ouvert ce placard-là? Non. Ah, bah, à moins que c'est moi, j'ai oublié. Et tout à l'heure, en fait, quand je suis rentré, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il est ouvert. Mais je me suis dit, bah, c'est peut-être toi qui l'avais ouvert. Ouais, bah, j'ai pas souvenir, c'est peut-être moi, mais... Parce que là, t'es à combien dans la salle de bain? Si là, j'éteins la lumière. J'ai une variation de température. Et là? Ah, il est là, je suis à 7 degrés. Il est dans cette pièce. 5 degrés. Il est ici, ah ouais, il est dans les toilettes. Ah, il est là alors, il est là. Ok, bah c'est bien lui qui a ouvert le... J'ai du 4 degrés, je vais quand même aller voir de l'autre côté. Je mets déjà quelques trucs, ouais. Je vais déjà mettre le MF ici. Ah non, il est dans le garage. Je suis à 4 degrés dans le garage. Il est dans le garage. Ah, il est dans le garage, ok. Ouais, il est dans le garage. Bon, ça... ça... Ouais, ça va. Enfin, c'est pire, quoi. Du coup, écoute, tu sais quoi? Je lâche la... Non, je vais peut-être garder l'appareil photo. Là, je balance tout, là. Et je on pense qu'on... Des ouais, on va pouvoir ramener un petit peu de matos. Ouais, ça va être très... ça va être cool. Ah, mais c'est toi qui l'avais refermé la porte d'entrée? Ouais, je crois. Hein. Un délire. Ok. J'ai récupéré le livre fantomatique. Ça roule, je vais prendre un trépied. Hein. Oups, j'ai fait tomber mon... Ouais. Ah, mais tu l'avais... Mal. Ah, t'avais déjà mis un livre fantomatique hein. Oui, 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 je te l'avais dit, je l'ai pris à la place de... Ah, ah punaise. Ah, température glaciale, je crois. Ah, 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 moi, mon appareil. Je l'ai en photo. Ah, quelle horreur. Oh là là, t'as pas les clés? Non, non. Ah, merde. Ah, il m'a fait peur, hein. Attends, y a forcément les clés. La porte. Attends, mais... Ils sont où, les clés? J'ai pas vu de clé, hein. Ah, mais... Ah, ça va être un peu chiant, ça, hein. Si on n'a pas les clés... Je vais aller revoir les objectifs. Je viens avec toi. Parce que, de toute façon, on a un objectif, tu sais, c'est de descendre en dessous 25% en santé mentale. Oui. Ah, ouais, on a un joli pic d'activité, hein. Waouh. Je crois qu'on a déjà température glaciale, hein. On souffle de la pluie, il me semble. Et on est à 50% en santé mentale. Ah, ça va être un démon, tu vois. Que depuis qu'on a trouvé sa pièce, il est agressif. Et c'est Christopher Martinez. Ouais, est-ce qu'il parle à tout le monde? Ce fantôme semble également répondre à... Ah bah c'est parfait ça. Et en plus, en objectif, on a chassé avec le crucifix. Alors du coup, je vais récupérer deux crucifix. Alors je sais pas si ma photo a marché. Mais on a température glaciale. Et c'est tout, je pense. Et au niveau de ma photo... Fantôme, ah oui, étoiles. 3 étoiles. Je l'ai bien prise. Hein. Ah... Du coup, je lâche l'appareil, je récupère les deux crucifix. Vas-y, je t'aide comme ça. T'en récupères un du coup? Ouais, et je prends une caméra, ça va être bien. Ok. J'ai trouvé les clés au fait, ils étaient à côté de l'entrée. Ah, cool. Par contre, il me fait peur. Hein. Voilà. Par contre, les crucifix, il faut les mettre. Faut créer une sorte de cercle, enfin pas un cercle, mais. Ouais, un cercle. Tu vois, genre je lance là. Et moi, je lance plus loin, c'est ça. Et genre au niveau de la porte là, tu vois. Ah, ouais. Ouais, ouais, ça roule. Hop! Bon, bah, par contre, il va se. Et normalement, tu vois, t'as le crucifix maintenant, en fait, il se casse. Hein. Il perd des parties. Oui, j'ai vu ça, c'est très cool, hein. C'est beaucoup mieux. Donc, tant que tes croix sont en place, on est protégé. Heureusement d'ailleurs. Bah, s'il est à côté, parce que s'il est à l'autre bout du garage, tu vois, ça ne marche pas. Oh là, il marche à côté, hein. Ouais. Je vais aller récupérer... Ah bah le crucifix, il a déjà perdu une branche. Ah ouais? Oui. Je vais aller voir si ça a fonctionné, l'objectif. Je te suis, hein.
Ah, tu me suis? Oui. Ah, il a déjà cassé un crucifix, donc bon. J'aimerais pas mourir bêtement. Ah, pourtant le pic il a zéro. Ah, c'est bon, c'est validé, le crucifix est validé. Ah, voilà. Est-ce qu'il y a des orbes du coup? Parce que j'ai mis des caméras. Tu vois, ça nous fera un deuxième indice. Ah, tu vas voir qu'il va pas avoir d'orbe. Ouais, par contre, bah du coup, je vais aller tester la spirit. Ouais. Ah oui, bah oui, oui, oui. Je vais tester la spirit. Pour l'instant, on prend pas de pilule, hein. Je pense que ça sert non, à rien. Non, on a combien? 40, 40. Ouais, non, on peut attendre un peu, tu vois. Et aussi, c'est pareil, tu vois, quand t'as une interaction, genre un objet qui tombe, par exemple, un objet qui tombe ou la voiture qui se met à sauter, t'as 4 secondes pour prendre une photo et ça te le valide en interaction. Ah, c'est cool ça, n'empêche. Ouais, bah ça, c'est les petites astuces de Lex que j'ai eu hier. Ah, elle est cool. Est-ce qu'il... Ah. Il joue avec tes portes. Ah ouais, tu vois, il y a une branche du crucifix qui est en moins, ouais. Oula, il joue, ouais. Hein. Rentre, hein, s'il te plaît, me laisse pas. attends. J'en perds ma voix. Je prends la spirit, je vais essayer. Alors, par contre, c'est des questions qui sont précises. Oui, oula. Bah, généralement, quel âge avez-vous? Quel âge as-tu? Ça marche, tu vois. Christopher Martinez, quel est votre âge? Christopher Martinez, êtes-vous un homme? Êtes-vous ici, Christopher Martinez? Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Faites-moi un signe. Christopher, faites-moi un signe. Christopher Martinez, êtes-vous là? Apparemment, il veut pas répondre à la spirit. Non. Alors, ça va être compliqué, hein, parce que du coup... On a juste température glaciale. Il n'y a pas d'orbe. On n'a pas fait les... Ah, il a marché sur le sel. C'est toi qui as fait un bruit étrange, là, de... Ah, le MF, il a combien? 2. Je vais aller chercher le détecteur d'empreintes. J'ai déjà regardé, il n'y a rien. Il chasse. Oh, il attaque. Oulala. Cache-toi, moi je me cache en bas. Essaie de te cacher dans une pièce ou dans une armoire. C'est bon. Et du coup, mais je parle pas parce que comme j'ai le push total de désactiver, si je parle, il va m'entendre. Oui, bah oui, oui, oui. Alors du coup, il a pas écrit sur le livre, j'ai repris une photo. Est-ce que ça l'a validé? Il est agressif, hein. Enfin, je veux dire, il est... Bah après, je pense que c'est par rapport à notre santé mentale, je pense qu'on va pouvoir récupérer des pilules. Ouais, hein. Des cachetons, ouais. Des parce que là, on a validé l'objectif d'être en dessous de 25%. Donc, là, les objectifs sont faits. En santé mentale, tu es à 15%, moi je suis à 9%. Ah ouais, bah c'est pour ça alors, on s'est fait. On va même pouvoir se prendre 2 pilules chacun. T'es sûr qu'on les prend maintenant? Tu veux pas les garder au cas où? Ah mince, trop tard. Hein. généralement, moi je les garde, tu sais, au cas où, vraiment. Bon, vas-y, au pire. Hein. Au niveau des orbes. J'en ai pas vu, j'ai rallumé une deuxième caméra, tu devrais peut-être la voir là. Je vais regarder. Ah, mais là, ouais, les lumières sont éteintes. Non, je pense pas qu'il y ait d'orbe. Après, c'est peut-être l'angle de la caméra, hein, qui gâche, ouais. Ouais, apparemment, il n'y a pas d'orbe. Les empreintes, tu as regardé ou pas? J'ai regardé, j'en ai pas vu sur la porte qu'il a ouvert. Ok. Donc, c'est compliqué, mais je vais re-regarder. La spirit box, il répond pas, on n'a pas d'orbe. En fait, il n'y a rien, quoi. Peut-être l'écriture, mais il veut pas écrire dans le livre. On va lui demander d'écrire pour voir. Ouais. En tout cas, tu t'es caché où, toi? Dans le salon. Ah ouais, fais gaffe, c'est une pièce ouverte. Hein.
Je vais me prendre une bougie. Je te recommande de te cacher dans le, tu vois, dans, si tu peux, dans le, dans la cave là, tu sais, dans les armoires, dans les tiroirs là, dans les. Après, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de prendre la bougie, tu vois. Ça peut être pratique vu qu'il y a pas de. Attends. Parce que j'ai. Il a écrit. Il a écrit. Ah génial. Du coup, on a deux preuves. Alors. Alors fais gaffe parce que t'ouvres ton livre. Oh putain. C'est un démon ou un yurei? Ah bah je sais pas. Ah bah génial. Bah attends, le crucifix, on va le bouger parce que visiblement il marche pas. Voilà, on va le mettre là. Ça lui sert plus à rien. Oula. Je vais aller rechercher mon appareil photo. Je vais juste me cacher pour voir ce qu'il faut. Alors, peut-être pas dans cette pièce-là. Alors, un démon à une oreille. Il faut des orbes pour le Yurei, et pour le démon il faudrait la Spirit Box. Ok, j'ai repris l'EMF, hein, on avait déjà un EMF ici. Ouais, j'ai juste déplacé les caméras. Ah, il a éteint la bougie, il a éteint la bougie. Ah, il est là. Il est vraiment horrible. Il trahit. Du coup c'est soit l'EMF ou soit... Hein. Et bah c'était bon monsieur là. En tout cas ça fait des jolies photos, 3 étoiles hein. Waouh. Ouais. Alors c'est démon ou yurei, on pourrait avoir quoi? Alors je pense que... Je te l'ai dit, soit Spirit Box ou soit... Orb. Est-ce qu'on pourrait pas replacer les caméras? Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Parce que du coup s'il spawn devant l'entrée... Wouah. Putain mais il... Ouais. Je pense qu'il il est violent hein. Il va pas tarder à attaquer hein. Il est très très méchant. Hein. Mais ça va, il fait pas trop peur celui-là. Ouais, ça va. J'allais revoir la caméra, mais en tout cas, j'ai eu aucune réponse sur la spirit. Hein. Il est compliqué à répondre. Hein. Ouais. Enfin, il est compliqué à faire parler. Bah, je pense que c'est les orbes, parce que du coup, le garage est tellement grand qu'il faut peut-être changer les. Tu vois. Ouais, mais est-ce qu'on a éteint. Oh, on a éteint les lumières. Oui. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des orbes dans ce truc? Tu vois, t'as un petit point blanc là, je sais pas si tu vois. Je pense pas que c'est une orbe parce que les orbes elles bougent. Ah ouais, normalement ça flotte donc. Et l'autre caméra, j'ai changé la peau. Ah, y a une orbe, je l'ai vu. Yes, ça rien. Bah voilà, on a tout hein, en vrai. On a tout, du coup c'est un. Un yurei. Eh bah dis donc, en tout cas, franchement c'est une très belle enquête là. Et c'est quoi la forme du yurei? Ah oui d'accord, oui bon oui. Okay. Et mais on a fini. Ouais, on a tout fait hein. Regarde toutes les photos qu'on a. On a de très belles photos et tout en plus hein. Mais y'a pas une mort, tu l'as passé. Mais franchement nickel hein. Bon on peut y aller hein. Voilà nickel. Et on va gagner combien? Je dirais un petit 100 tu vois. Bah 100 dollars, c'est pas mal. Un intermédiaire, ouais je pense qu'on va se faire un joli billet je pense. Ouais je pense aussi hein. Alors combien? 140. Oh 140 hein. Ah franchement pas mal hein. Pas mal. On a passé 6 minutes quasiment dans la lumière, 10 minutes dans l'obscurité, 4 minutes dans la pièce du fantôme, on a eu 3 événements, il n'y a pas eu énormément, 29 interactions, il n'y a pas eu énormément d'interactions je trouve, et on a quand même survécu à une chasse, franchement pas mal du tout. En tout cas je remercie énormément Lex hein, qui m'a donné énormément de tuyaux sur le jeu et ça se passe quand même beaucoup mieux les enquêtes. Je sais pas ce que t'as pensé de cette petite enquête, Shiroa. Oh, il est pas mal, hein. C'était pas mal. Pas de mort, très simple. Franchement, ouais, très très simple. Et en tout cas, ça va faire du bien, puisque là, au niveau financier, moi, il me reste... Je suis remonté à 232$. Ah oui, c'est pas mal, déjà. Je suis pauvre, hein. Je peux pas acheter grand-chose. Hein. C'est pas mal. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Shiroa, peut-être. Non, c'était très cool comme enquête, hein, j'ai bien aimé. Ok, bon en tout cas, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un petit commentaire, à lâcher un like, et bien sûr, à t'abonner. Tu vas retrouver également un lien qui mène à la chaîne de Shiroa que je t'invite à découvrir. Salut à tous. C'est trop ciao, ciao. Bon. Salut à tous.